Hop, on va essayer de toutes les enlever. Donc, ils nous l'ont prévu danger. Oh, il y a quelque chose qui frotte là à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir, mais là, là, ça frotte. Regarde. T'as vu? Il s'est passé un truc là. Il y a quelque chose qui s'est décès. Alors, je vais vous montrer un truc. Donc là à l'intérieur tu as cette petite pièce. Donc cette petite pièce elle est vachement marquée. Je pense qu'on va faire en sorte, je vais poncer un petit peu de façon à la rendre quand même un petit peu lisse. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a un truc qui s'est passé dedans, mais on sait pas, comment on n'a pas les dire. Là tu vois cette petite pièce, je sais pas si tu vas la voir. Quand je vais utiliser la commande d'embrayage, elle va se lever. Voilà, donc vous vérifiez bien qu'elle fonctionne et la pression la fait redescendre. Mais on va un petit peu poncer tout ça, polir même tout ça, pour que ça... Que ça soit net, parce que regarde, la pièce, elle est... voire même changer la pièce, je sais pas, je vais voir. Bon, on a un petit peu délibéré, on a regardé un petit peu ce qui se passait. Donc effectivement, ça vient bien du kick. Alors, tu vois, regarde, ça saute. Alors on sait pas trop. Ouais, c'est très très bizarre. Là, le clip qui est devant, qui est juste devant la petite plaque qui retient le ressort, il a l'air complètement boiteux. Donc déjà ça, c'est sûr, on va le changer. On va démonter, on va ouvrir les carters, on va regarder ce qui... c'est l'arbre primaire, il me semble. Si je dis pas de conneries. Et du coup, ça va nous permettre de voir ce qui s'y passe, ce qui s'est passé. Et voilà, on aura un petit peu plus de détails. Allez, donc là, pour démonter l'embrayage, hop, ici, ici, ici. Et après, on fait levier, juste ici, il y a une petite encoche. Hop, voilà, on a fait un support moteur maison. Allez, hop. Alors là, oui, non, avant quand même que j'explique ce qui va se passer, soit vous avez un tournevis à frapper, vous voyez, c'est un tournevis, vous venez taper dessus, pam, pam, et ça tourne en même temps et ça fait des chocs. Soit vous avez une péteuse, une petite péteuse, enfin c'est non, c'est une visseuse à choc, voilà. Ou sinon, moi, ce que je vous conseille, c'est pas de prendre un tournevis. Un tournevis, vous allez y foirer. Vous prenez un petit cliquet et vous appuyez fort dessus et... Bon, vous essayez d'y choquer un petit peu avant, histoire que ça décolle les filetages, mais c'est un peu quand même, c'est un peu tendu. Alors là, là, je pense que... Bon, en fin de compte, c'est bienvenu. Ouais, il y a un petit joint. Hop, voilà, on fait attention que ça tombe pas. Vous avez un petit joint, donc il faudra forcément le remplacer, malheureusement. Hop, regardez si le ressort fonctionne bien. Donc ça a l'air plutôt fonctionner. Vous la retournez pas parce que la pièce sinon ça sort. Donc comme ça au moins il n'y a pas de problème. Hop. Donc là comme on n'a pas de bloc piston vu qu'il n'y a pas le haut moteur, on a bloqué avec une clé à la place du piston. Donc, de toute façon ça pose aucun problème. Là normalement vous avez une rondelle qui est contre-écrou. Enfin c'est ouais, contre-écrou qui normalement vient le bloquer. Là on voit qu'elle n'y est pas. Ça a dû bien être oublié. Ça a dû être serré. N'importe comment, soit vous avez le petit outil style un peu château fort, j'appelle ça. Enfin voilà, c'est un outil avec 4 pics là, voilà. Ou soit vous utilisez comme moi un outil que j'ai fabriqué, alors fabriqué entre guillemets parce qu'il a pété un jour et après je l'ai biseauté un peu de travers. En fait, le tournevis au lieu d'être plat, il est de travers, ce qui va me permettre de venir chercher la rondelle et venir taper dessus. Malheureusement, ça marque un petit peu. Voilà, il n'y a pas beaucoup de solutions, la plupart font comme ça. Donc il est biseauté du bon côté, normalement, et ça ne demande pas tellement d'efforts, hein. Regardez, ça se desserre assez facilement. Ça va se dévisser. Voilà. Regardez, hop là, voilà. Donc vous finissez comme ça pour éviter de l'abîmer le plus possible. Ça a déjà été démonté et de la même façon, à mon avis. État quoi, c'est pas nous qui l'avons mis dans cet état, hein, parce que moi j'ai... J'ai tapé, mais que très légèrement. Bon, je pense que il sera à changer. On va que je vais mettre dans les pièces à changer. Je vais venir de quoi protéger un petit peu. Et je vais venir le sortir. Et voilà. Alors vous essayez de protéger, regardez un maximum. Vous voyez, moi, ça c'est pas venu marquer, lui non plus. Donc quand même, bon, je sais que c'est des dirt, mais on essaye quand même de faire un minimum propre, même si bon, comme on a desserré l'écrou, c'est pas non plus la grande magie. Donc là, bonne nouvelle pour le vélo, parce que si on fait de haut en bas pour le roulement de vélo, il n'y a pas l'air d'avoir de jeu, donc ça fait quand même super plaisir.
Donc là, on continue. Ici, il y a un clips qui tient. Franchement, les clips de ce moteur, ça fait peur. Mais après, peut-être c'est d'origine comme ça. Hein. Moi, rien ne m'étonne avec ce type de moteur. Alors, je sais, il y en a qui vont dire c'est pas vrai, comme quoi c'est de la bonne qualité, tralali, tralala. Avec les dalles que j'ai au sol, si je lâche ça, je suis mort. Hop. Tu vois, il est vraiment boiteux. Hop là. On sort avec le ressort. Le ressort, normalement, il vient ici. J'ai bien dit normalement. Ouais, pourtant, c'est bien dans les cannelures. C'est. Ah oui, il fait un truc chelou, hein. Vous avez un petit caoutchouc. Hop, vous le tirez. Vous avez un petit écrou de 10 de l'autre côté. Je sais pas si en passant la clé comme ça. Si. Vous voyez, ça fait tourner. Donc pour pas qu'elle tourne, vous y tenez bien. Prenez de quoi dévisser devant. Tiens, je récupère la vis. Voilà. Il y a un petit camarade qui est venu nous aider aujourd'hui. Hein? C'est celui qui déchire la moitié de ses motos dans les vidéos. Hein? Qui casse sa chaîne, enfin tout ça quoi. Et il est venu quoi changer t'es venu changer tes pneus? Donc là, de l'autre côté, hop, vous dévissez. Ça peut forcer comme ne pas forcer, ça dépend les moteurs. Hop. C'est juste une petite vis de 10 hein, de l'autre côté. Hein. Et une rondelle, si elle a envie de sortir. Alors là, on vient juste de s'apercevoir là-dessous. Alors, je sais pas si on peut bien le faire voir. Voilà, je vais vous amener la caméra jusque là-bas. Juste ici. Donc, pompe à huile, elle est complètement morte. Donc, la pompe à huile, on va l'enlever et on va la changer. Parce que là, elle est morte à mon avis. Je me demande si ça n'a pas pété, il n'y a pas eu un manquement d'huile. Ou... Enfin, il y a eu un truc là, en tout cas. Et voilà, hop, vous venez enlever cette petite pièce. De toute façon, au remontage, je vous ferai voir. Tac. Voilà. Et là, normalement, celle-là, elle va sortir quasiment toute seule. Et voilà. Donc là, vous allez enlever la vis ici. Il y a un ressort derrière. On en parle depuis le début. C'est ce tendeur, va falloir l'enlever. Hop. Là. On va faire ressortir le tendeur. Ouais, le tendeur, faut le changer. Regardez la gueule qu'il a avec le temps. Je sais pas si vous allez le voir. C'est complètement affaissé. Donc ça, vous le changez obligatoirement. Donc maintenant, tu vas venir retirer cette patte qui se trouve juste ici. Parce qu'elle va gêner pour l'ouverture du moteur. J'ai trop peur qu'elle casse, mais net. Ça me fait peur parce que je sens quand même que c'est bien un petit peu... Hop, ça on y fait pivoter. Alors, comme quand on change un pignon, il n'y a pas de. C'est pas non plus très dur. Si vous voyez un démon de pneu voler, c'est que mon collègue est en train de changer à côté un pneu. Waouh. Tu sais, je crois que ça sera pas du luxe changer de joint-spiel. Hein. Donc là, on va tout desserrer. Bon, c'était déjà à moitié desserré, donc je sais pas ce qui s'est passé sur ce moteur, ne me demandez pas. Donc voilà, on desserre, on le met sur le côté après, et on ouvre en deux. Je vous expliquerai après pourquoi ça me gêne un petit peu de taper sur le carter. Comme ça, c'est parce que, en fait, devant, vous avez à chaque fois un petit engrenage. On a essayé à l'arrache de le sortir, ça ne veut pas sortir. Ouais, je trouve ça très bizarre, mais ça a l'air de se séparer très facilement quand même. Se sépare très facilement quand même. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas bien monté serré, quoi. Ce qui me gêne un peu, c'est de retrouver ma boîte d'un côté et de l'autre. Ah, c'est beau. Cette partie reste accrochée du coup. Écoute, ça me laisse un petit peu dubitatif. Parce que même ce roulement a l'air d'être sorti, j'ai l'impression. C'est vraiment monté léger quand même, les moteurs de dirt. Attendez, je vais vous montrer. Voilà pourquoi ça m'embêtait de sortir directement le roulement. Parce qu'en fait, tu vois là, il y avait un petit pignon et j'aurais aimé avec une arrache pouvoir le sortir.
Le problème, c'est que les bords de l'autre côté, bon, ben là, je vais pas te faire voir, mais les bords, ils sont tellement serrés, etc., que toutes mes arraches, ça n'a pas voulu sortir. Pourtant, j'ai des arraches qui sont très fines. On en a même modifié une. Et après ça, je me suis dit, bon, ben, on va essayer la méthode un petit peu dite, bon, un petit peu plus brutale, en faisant sortir bah, directement le roulement, comme on l'a fait tout de suite. Sur le coup, je me suis dit, bon, j'ai regardé des manuels d'atelier, ensuite j'ai regardé des vidéos qui étaient en anglais où il le faisait aussi, des vidéos où il n'y avait pas d'explication, il le faisait aussi, je me suis dit, bon, ben, écoute, on va essayer, en fin de compte, ça sort très très bien et sans vraiment violenter le moteur. Alors, petite explication, ce qui s'est passé, on vient de regarder. En fait, on pense que là, le kick a mal été remonté suite à un petit problème, parce qu'on peut voir que là, ça a mangé un petit peu, je sais pas, il a peut-être sauté, enfin, il y a eu un truc en tout cas. Ça, on peut pas l'expliquer ce qu'il y a eu. Ensuite, donc là, le kick, il était au mauvais endroit, ce qui fait que ça faisait toujours tourner le moteur. Il y a une position, vas-y, mets-le dans la position où... Voilà, mets-le dans cette position. Donc là, quand il est dans cette position, le moteur, il tourne nickel. Donc là, en fait, le kick, tu viens l'actionner. Hop, hop, tu vois, t'es sur le côté du moteur. Voilà, je te fais tourner le téléphone. Hop, t'actionnes le kick. Et avec le ressort, ça lui permet de revenir dans sa position neutre. Donc voilà, donc c'est qu'il était juste placé au mauvais endroit. Donc bah, je pense qu'on a trouvé la petite problématique de tout ça. Hop. Donc on vérifie les crabots. Les crabots, c'est ça, tu vois, qui est un petit peu carré. On vérifie que ça soit pas arrondi. Donc a priori, enfin, en vrai, ce moteur, il n'est pas non plus, c'est pas la déchetterie quoi. Je suis dans l'abus. Hein. Hop là! Le petit Voilà. réflexe pour pas perdre les rushs, Ouais, c'est pas mal, t'as vu, ça flex. moi bon, je l'avais pas trop serré en même temps. J'avais été mollo pour le serrer. L'appareil, on fait une petite vérification au passage. Bah, c'est un moteur de dirt en fait. Avec un moteur de dirt, il faut être quand même un petit peu tolérant. Donc, mais non, mais c'est propre hein, quand même. Allez, on range ça. Et là, t'entends derrière les pignons qui tombent. Les fourchettes. Ouais, mais ça va, hein, franchement, c'est Il n'y a pas pas. beaucoup de vitesses qui ont été passées. Ouais, il y a un truc qui manque là. Mais. Ouais, ouais non, c'est ok. Hein. C'est ok. Il gratte pas. Bah, tous, ils sont bons sauf celui-là. Celui-là, il a vraiment. Ouais, il a pris un coup par l'aile. Donc on changera celui-là. Et tout le reste, bah, c'est ok. Il reste juste à nettoyer parce que il y a quand même de la pâte à joint qui se retrouve juste ici, là, dans le carter. Donc c'est merveilleux ceux qui ont mis de la pâte à joint. Hein. Ils auraient pu se gratter. Bon, vous avez vu, on vous a fait une vidéo assez complète pour pouvoir démonter le moteur. Bon, voilà, c'est des moteurs de dirt. Vous m'avez entendu le dire sûrement pendant la vidéo. Voilà, c'est des moteurs pas chers. Il y a des petites imperfections. Voilà, faut être entre guillemets tolérant avec ces moteurs. Donc voilà, on va essayer de le remonter tant bien que mal. Il va fonctionner, il n'y a pas de souci. On va changer quelques roulements, on va faire la liste. Dans la prochaine vidéo du remontage, peut-être pas la prochaine, parce que la prochaine, ce sera celle où on vous fait voir comment roder les soupapes, etc. Mais celle du remontage du moteur, je vous ferai le listing des pièces qu'on a changées et ce que ça a coûté. On se retrouve à la prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu et... J'espère que vous partagerez avec nous le roulage de ce beau bolide. Salut!